Alors cette fois vidéo pour vous montrer ce que voit un élève, lui, et puis comment sera restitué donc le travail qu'en tant qu'enseignant, moi donc j'ai rempli pour la classe de première PA. Donc c'est de moins en moins clair, mes vidéos, je suis désolé. Donc là je suis connecté, je suis Lorenza, je suis en première PA et pour l'instant tout va bien. Alors si je clique sur ma page d'accueil, voici ma page d'accueil, un élève, lui, en priorité, ce qu'il voit sur sa page d'accueil, c'est le travail à faire. Bien, ici, il a les cours de la journée et il peut donc, quand c'est fait, cocher la case fait. Ou ne pas cocher. Donc ça, c'est un travail à faire qui a été déposé par la prof d'allemand. Si j'estime l'avoir fait, toc, je clique dessus. Alors, en tant qu'élève, si je veux d'ailleurs savoir à quel cahier de texte cela se réfère, donc je peux ici, cahier de texte, voir le contenu et les ressources qui ont été publiées pour la séance. Et puis ça, c'est le travail à faire qui sont à faire après la séance. Donc si je vais dans contenu, là je vois les cahiers de texte de tous mes profs. Donc ça, ce sont les cahiers de texte d'aujourd'hui qui ont été créés. J'ai bien une fiche en histoire géo, j'ai bien un travail à faire, enfin un contenu de séance en économie, et ici j'ai le petit lien travail à faire. Donc moi, si je suis un élève, ma vision c'est plutôt celle-là. Enfin, la vision, donc cahier de texte, contenu et ressources. Et puis s'il y a un travail à faire déposé par un enseignant, bah, j'aurais plus qu'à cliquer là-dessus. Alors concernant donc la fiche du cours d'informatique, donc ça c'est la fiche de cours que j'ai créée dans la vidéo précédente, et ce travail il est à faire pour, enfin cette ce contenu de séance est visible, même si c'est le 20 mars, donc dans 4 jours, puisque moi, en tant qu'enseignant, j'ai coché la petite case publiée. Donc ça c'est donc le contenu de mon cahier de texte, ça c'est la vision qu'en aura un élève. J'ai aussi pour cette séance saisie un travail à faire, donc moi si je clique ici, je vais basculer sur le travail que l'enseignant a demandé de faire après la séance. Accessoirement dans cette séance, là vous avez le contenu et puis ici j'ai un document texte que j'ai publié. Donc que je peux ouvrir, je clique dessus, hop, je l'ouvre et puis voilà mon document texte, toc toc toc. Donc ça c'est mon support de cours en fait, que le prof a déposé. Bien alors maintenant je vais aller voir le travail à faire. Donc le travail à faire, je vais reprendre que le cours d'info. Contenu de séance, pardon, et je vais prendre le 10 de informatique. Voilà, le 20 mars. Donc je prends mon travail à faire. Donc ça c'est le contenu de mon travail à faire et je le vois en tant qu'élève. Il est non fait pour l'instant. Dans mon travail à faire, j'ai mis un document que j'avais appelé test, donc il est là. Je m'en vais le prendre. Donc là, je le télécharge sur mon ordinateur. Hop. Je m'en vais le compléter, donc compléter pour moi, ça va être ça, et puis tiens, je vais mettre ça en gras, et puis je vais sauter une ligne. Voilà, ça c'est le travail que le prof d'info me demandait. J'enregistre évidemment mon document, et puis donc ce document s'appelle test 2 entre parenthèses, donc je m'en vais le rendre à mon enseignant. Donc si je retourne sur ma petite fiche en tant qu'élève, j'ai ici déposé ma copie, donc je peux cliquer dessus, je peux aller chercher test 2, je peux cliquer sur ouvrir, puisque j'ai déposé une copie, ça bascule automatiquement en fait, et je clique sur fermer. Donc là, je peux maintenant quitter en tant qu'élève mon interface Pronote, l'esprit tranquille, le travail a été fait et déposé. Donc je m'en vais me déconnecter et normalement je n'ai plus besoin de la session de Lorenza, donc je la remercie beaucoup de m'avoir prêté son compte. Oui, ça c'est déconnecté. Donc la vidéo suivante, c'est à nouveau pour l'enseignant, comment lui il va récupérer le travail déposé par Lorenza.